une semaine, Kojovi Obilale a abandonné son fauteuil roulant. Le Togolais vit avec sa femme et ses enfants dans ce quartier populaire de Lorient, à quelques kilomètres seulement de son ancien club de Pontivy de CFA2. Chez lui, les photos de ses exploits passés avec la sélection togolaise, les photos de lettres, beaucoup de lettres, de soutien et d'encouragement. Aussi. Je ne vous connais que par la presse, mais votre malheur me touche profondément. Ne baissez pas sur tous les bras, battez-vous, croyez en vous et vous remarcherez. C'est vraiment humain et ça fait plaisir de lire des choses comme ça. En contrat amateur à l'époque avec Pontivy, Kojovi Obilale ne touche donc pas le chômage. Il espère pouvoir bénéficier bientôt du statut d'handicapé pour assurer des fins de mois difficiles. Ses journées se résument à ça. Lire des lettres et se rendre chez son kiné pour soigner sa paraplégie incomplète due aux balles qui ont frappé son corps. Ça, c'est vertu de... les balles sont passées là. Ça, c'est... ils ont mis les broches. Ils l'ont ouvert ici trois fois. T'as pas vu, mais elle est toujours là, il y en a toujours. Des tablettes de chocolat à boire. Sa jambe droite souffre de dysfonctionnement musculaire. C'est ça tous les jours. En plus, ils sont payés pour faire du mal aux gens avec qui. Thierry, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah, j'ai torturé un petit black. Et... Le 8 janvier dernier, le bus de la sélection togolaise est attaqué par des rebelles, alors que le Togo s'apprête à jouer la Coupe d'Afrique des Nations de football en Angola. Kojovi Obilale est à l'avant du bus. Pour la première fois, il voit les images de l'attaque. En fait, le premier coup de feu, moi, j'étais déjà atteint. Du coup, j'ai eu... deux balles, les balles qui ont transpercé le dos, les deux balles sont passées dans le trou. Donc, quand moi j'étais touché, il y a mon collègue à côté, et je disais j'étais touché, je criais et tout, je vais voir mes enfants, je vais les voir, ramenez-moi chez moi. Ça a rafalé de partout, on dirait on est à la guerre quoi. L'attaché de presse, il a pris au moins 10 balles. Il l'a rafalé de la tête jusqu'au pied. Hein. Je l'ai vu, il est tombé juste à côté. Il est tombé à côté, il me tendait la main. Mais je ne pouvais rien, je suis touché. Les autres étaient allongés. Le coach, il a eu deux balles dans le ventre. Aussi, il cria et tout, je vais mourir, aidez-moi. C'est choquant, franchement. Moi, j'ai jamais vécu des choses comme ça. J'étais pratiquement 2 heures sans soins. Peine de connaissance, il me donnait des petits coups de gifle, il me réveillait et tout. C'était l'enfer, franchement. C'est abominable ce qu'ils ont fait, c'est terrible. Transféré en Afrique du Sud pour y recevoir des soins intensifs, Kojovi Obilale va rester 3 mois à Johannesburg, avant d'être enfin rapatrié en France. J'ai eu le trésorier de la Fédération française qui voulait me rapatrier. Et la France voulait me rapatrier alors que je ne joue pas pour l'équipe nationale de la France. Et j'ai dû pousser. Bon, à Togolais, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse ça au moins. Donc ils sont payés. Ils sont venus payer le rapatriement. Du coup, la France a dit ok. Ils m'ont rapatrié. Les Angolais, eux, ils veulent que je reste en Afrique du Sud. Franchement, je resterai en Afrique du Sud, je vais crever. Parce que j'avais une fuite cérébrale. Et eux, ils me mettaient debout, sans savoir, j'avais des têtes cassées. Et j'ai des mal de tête, il y a la fuite cérébrale, et de l'eau qui descend, et des choses bizarres. Et moi, je connais pas trop en médecine, mais chaque fois, je criais, quoi. Que j'ai mal. Au cours de cet attentat, le chauffeur, l'attaché de presse et l'entraîneur adjoint du Togo ont perdu la vie. C'est gravé, je ne vais pas l'oublier. Même un bruit,
Quand on est éclaté, ça me traumatise. Ça me traumatise. Grave. Je supporte pas le bruit, ça me fait mal au crâne. Ça me donne des sensations bizarres. Je sais pas ce que c'est. Je prends des cachets pour dormir, j'ai fait des couchements. Des fois, je me réveille avec des larmes. L'autre jour, je me suis cogné contre le mur. J'avais des hématomes, mais je sais pas pourquoi. Autre traumatisme pour le Togolais, celui de n'avoir jamais reçu le moindre soutien de la Confédération africaine de football et de son président Issa Hayatou. Depuis le drame là, j'ai eu que des nouvelles de la FIFA et de la Fédération française de football. J'ai pas eu des nouvelles de la CAF. Même pas.